Attention les liasses de billets. Elle est fermée, colonel. J'appelle les démineurs. Ok, 007. Je vais évacuer le quartier en attendant. Tu vois ? Si ça se trouve, c'est des braqueurs de banque qui l'ont mise là en attendant. N'importe quoi. Mais si, comme ça ils passent les barrages, tranquille. Bien sûr. Arrête ton délire là. Attends. Une bijouterie nantaise a été braquée il y a quelques instants. Les malfrats ont pris la fuite avec un diamant d'une valeur inestimable. Oh la vache. Oh la vache. Fais voir. Les braqueurs seraient au nombre de deux, d'après les témoins. On ne connaît pas leur identité. Oh, le délire. On serait dans une série. Deux adolescents se retrouvent avec le magot d'une bande d'assassins sanguinaires. Vont-ils se sortir de cet imbroglio ? Un broglio. Et pourquoi ils auraient mis ça dans ma caisse ? Je te dis, c'est une technique. Ils la mettent là pour échapper au keuf, et après... Ils reviennent la chercher. Bon, faut qu'on sache ce qu'il y a dans cette mallette. Appelle Mathis, il saura comment l'ouvrir. Quoi, Mathis ? Oh non, je partage pas le diamant avec lui, moi. Trop relou, ce mec. Partager quoi ? S'il y a un diamant là-dedans, on va pas le garder. Oh non, c'est pas le moment, hein. Joe, appelle Mathis, je te dis. Dis-lui qu'on arrive. Mathis, il sait rien faire, ce mec.